Allez, on traîne pas, Clarisca. On règle 2-3 trucs et après on y va. T'es prête, ma belle? D'après la carte, nous nous trouvons tout près d'une zone éradiée non recommandée. Sommes-nous à la recherche d'une personne en particulier? Quoi? Mince, ça a déjà commencé. Salut! Deux petites secondes, on arrive. T'as pas oublié ton texte, hein? Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau teaser du prochain épisode de l'Éco-Vaporiste. Une nouvelle aventure prévue cet été. Zut, j'ai oublié la suite. Tu dois dire quoi toi déjà? Enchantée, je suis Clarisca, relation humain, rétro. Mais non, pas ça! L'autre texte! Cher Vaporiste, nous espérons que cette aventure vous a plu et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec Raphaël Colzi, l'auteur du livre Rétro-Futur, avec qui nous parlerons de post-apocalyptique dans le rétro-futurisme. Formidable! Bah tu vois, c'était pas si difficile. Clarisca, qu'est-ce que c'est? Je détecte des présences non identifiées qui approchent. Clarisca, on se tire! T'as trouvé quelque chose? Ça vient d'un druide, ça? Un quoi? Attention! Laissez de l'air en dessous! Mais je l'ai! Chargé! C'est pas vrai! C'est quoi tout ce raffut? J'ai un show à présenter à New Vegas, moi! Et c'est pas les Kings qui vont le faire à ma place, mon petit bonhomme! Près des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis. Oui, nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Souvenez-vous, ô Seigneur, des enfants d'Édom au jour de Jérusalem qui ont dit « Rasez-le jusqu'au fondement ». Excusez-moi! Ô fille de Babylone, qui doit être détruite, comme il sera heureux de te récompenser comme tu nous as servi. Heureux celui qui prend tes petits et les écrase contre les pierres. Vous êtes qui exactement? Je n'aime pas tuer. Hop, 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 hop. Mais si la cause est juste, ce n'est qu'une corvée comme une autre. On se calme, l'ami, tout doux. Et si je vous proposais de participer à ma prochaine émission? Question pour des boulons! Je suis sûr que ça vous plairait. J'ai été baptisé deux fois, une fois par l'eau, l'autre par la flamme. Je porterai le feu de l'Esprit Saint à l'intérieur jusqu'à ce que je me présente devant mon Seigneur pour le jugement. Très bien, je vois. Bon, et bien en attendant, je vais retourner à mes activités du côté de Freeside. Complètement barré celui-là. Je suis la main droite du Seigneur et l'instrument de sa vengeance.